Attaque de monastère. Attaquer des lieux bien gardés, idéal pour trouver des coffres de ravitaillement et des matières premières. Ces éléments sont nécessaires pour construire des bâtiments dans la colonie. Une attaque de pillage est terminée lorsque tous les barils, coffres de richesses de la zone ont été pillés. Écoutez, pour le bien du clan, l'heure est celle des Vikings. Aujourd'hui, nous pillons pour que demain nous puissions bâtir. Enfin, nous allons écraser ces monastères chrétiens comme autant de coquilles d'œufs. Les Saxons savent que nous sommes là, Dag. Leurs monastères seront bien gardés. Ah. Mais du coup, faut que je m'attaque. Puissance gérée 20. Je suis quel niveau d'ailleurs? 33, ok. Et celui-ci 160, donc ça faut éviter. Non, de toute façon, il était dirigé déjà dans le bon sens. Les prières à nous opposer. C'est quoi la touche pour qu'il chante? J'ai envie d'une chanson. Qui va nous raconter une histoire? À l'âge de 11 ans, j'étais le plus jeune de mes cousins favoris. Une bande de garçons et de filles turbulents. En compagnie de nos parents, nous avons assisté à un festin chez Alfdan le Noir, de la maison d'Ingling. Pour nous apprendre la patience, nos parents nous confièrent à une vieille femme qui nous chargea de préparer des galettes et de les apporter au yard. Au bout d'une heure... On continuera plus tard. Coucou. À la bataille. J'imagine qu'il y a quelques gars quand même. Mais calme-toi, descends. Tout de suite. Ivan, là, regarde. Un monastère. Je suis prêt. Quand tu voudras. C'est une méfiance. Ok, ça va. La flèche traverse mes alliés, vraiment. Alors, si je pouvais prendre un peu de hauteur, viser. X. Ok. Parce que quand je suis là-dessus, je peux pas me décaler sur la gauche. Ou sur la droite, là. Je tire tout dans mes alliés. Ah, moi aussi j'ai une lance. Allez, il faut fatiguer. Passez sur le côté. Aïe. Ah, lui, il est un peu plus résistant. Est-ce qu'il est un peu plus résistant? Ah! Voilà. Un peu moins résistant d'un coup. Oui, je vois de travers. Forcer l'ouverture. Allez, j'ai besoin d'un coup de main. Alors à la base, je voulais juste ouvrir et reculer.
Je pensais qu'ils allaient enfoncer la porte sur un peu trop violent. Ouais, bon. Cette distance. Comment je rentre là-dedans? Ouais bon bah c'est moins barricadé comme ça. Ah, un autre coffre. Attaque menée à bien, ok. Donc l'attaque se finit entre guillemets quand j'ai tout ramassé. Même s'il y a encore des ennemis. Allons, on a déjà passé trop de temps ici. Trop de temps, on va être d'autres cœurs assez, non? Ouais, par exemple. Note d'habitant, où que je me tourne, je vois la maladie. Elle a frappé ce monastère comme un fléau. Donc j'ai attaqué un truc qui était déjà bien taillé. J'entends leur gémissement. Leur vagissement. Nous avons brûlé les morts de crainte que leur cadavre n'affecte les terres. Et elles auraient enfui. Ah, que Dieu nous vienne en aide. Oui, bon, ça... En même temps, bon, j'ai attaqué des... Lorsque vous portez à cap, les gardes vous détectent qu'à proximité immédiate. Le bateau. Qui c'est qui crie comme ça? Les villageois sans doute. Ah, il y avait un deuxième accès à l'église. Si tu veux fuir, ne cours pas dans la direction des attaquants. C'est pas très intelligent. La journée a été bonne et vous avez tous fait du bon travail. Rentrons chez nous pour décharger tout ça. Mais certain qu'il ne reste pas un ou deux trésors cachés, de quoi remplir nos sacs? Mes tripes me disent que non. Alors, Eivor, dis-moi combien? Combien? Dag, je ne compte pas les gens que j'ai tués. Il y en aurait beaucoup trop.
Je veux bien te croire, ami des loups. Moi, j'en ai tué 26, je crois. Non, il y en avait à peine une douzaine quand on est arrivé. Non, non, tu n'as pas tout vu. Certains ont attaqué depuis la forêt. Je prends la bonne direction. Ah, je voulais être... Bon, que l'endroit possible, évidemment. Non, je voudrais... Non, allez, on s'arrête. Silence, maintenant. Par contre, je relague, mais dès le début, quoi. C'est une catastrophe, ce jeu. C'est ouais. Et il tape un peu en dessous. En moyen. Alors élevé. Ah non, c'est l'anti-crénelage. Non, c'est personnalisé. Ah non, j'ai cliqué sur en moyen là. Et si je passe en élevé ici. Ah, ok. C'est bizarre parce que... qu'est-ce qu'il me faisait... Attends, c'est infaisable... à la mettre par contre. Bon, si je passe tout en LV, ça passe pas au rouge. C'est original. C'est trop, j'ai une option qui... genre texture des environnements, voilà, voilà. Parce que j'ai ça en moyen. Si je passe personnalisé LV... Texture des environnements en moyen. Très élevé. Texture des environnements moyen. Ce serait paradoxal quand même. Que ça marche. Ah merde, ça redémarre le jeu. Voilà, voilà. Ça sera coupé au montage. Mais bon, je pense pas qu'il y ait juste le petit truc en rouge à voir. Parce que là, ça me permet de me mettre en très élevé, donc ce serait bizarre quand même. Si ça marche, hein, j'ai pas de plainte.
je veux juste voir. C'est dans l'écran. Ah, donc il change pas les. Voilà, par exemple. J'ai chier à désactiver tout le temps ça. Ça me fait des économies de. Je vois des lignes passer. Mais ça se voit pas sur le. Sur le stream, ok. Je me doutais qu'il est désactive à chaque fois. Là. Continue. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? 2 FPS ou 30 FPS ? Ça va faire redémarrer le jeu que je passe en arrière. Options. Graphisme. Personnalisé. Rien. Appliqué. Oui. Je sais pas pourquoi tu m'ouvres le 21. Ok, 60 images. Bon, c'est mieux. C'est pas super beau, mais moi j'ai 60 images. Déjà de retour. Avec de bonnes nouvelles, j'espère. Oui. Je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut. Alors, il me faut 430. Ok. Forge, construction, achevée. Ah, c'est magnifique, Eivor. Cette forge est encore plus grande et plus brûlante que celle que j'avais à Thornberg. Passe me voir quand tu veux. Pour les armes et l'équipement, je suis le meilleur. Je le ferai, Gunnar. Sois-en sûr. Et... Bâtir la colonie, accéder à des services colons, quêtes spécifiques et encore plus en construisant des bâtiments à Ravenstorp. Pour construire un nouveau bâtiment approché d'un panneau avec suffisamment de marchandises et de matières premières, en grandissant la colonie, gagnera en renommée. Et que puis-je faire pour toi par cette belle journée ? Le corbeau peut m'afficher. Bureau de ceux qu'on ne voit pas. J'ai combien sur moi ? C'est un truc à 400... Un truc à 400... Un autre cas 400.
Dans mon inventaire, j'imagine. Dans mon sac. 500. Ouais, je peux en ouvrir encore un autre. Bon, on va commencer par voir Nikki. J'aimerais voir ce que tu proposes. Ah, ça c'est bien. Ah oui, d'accord, ok. Le combat te tend les bras. C'est ce genre d'amélioration. J'avais déjà oublié. Que t'es con. Lui, il augmente le nombre de niveaux possibles. Ah, tiens, je peux l'améliorer. Matériel requis, 160. Ok. Ah, oui. Donc je peux l'améliorer. Une caserne, c'est ici qu'Aidis vous aidera à créer votre Jones Viking et recruter des Jones Viking, d'autres joueurs et gérer votre équipage. Caserne, construction achevée. Ah, nous allons pouvoir recruter d'autres guerriers et constituer le plus redoutable équipage à avoir jamais écumé les rivières d'Angleterre. Nos guerriers ont maintenant un lieu pour se reposer et s'entraîner. C'est un bel abri, oui. Il devrait attirer de nombreux Yoms Vikings se répandra. Cela me rappelle une chose. Quelques-uns de tes guerriers aspirent à devenir ton second. Tu devrais en choisir un ou une. Ok. Mangeur de champignons. Le rouge, allez hop. Infecté. Un trait de le rouge. Ok. Ok. Et donc ? Très bien. Que mon lieutenant me rejoigne. J'aimerais réorganiser l'équipage. Ok. Tu as trouvé ce que tu cherchais ? Je dois prendre congé. Alors je sais pas trop quoi ça me sert, mais admettons. Et toi, tu es recruté. Si c'est un homme fort que tu cherches, tu l'as trouvé. De monsieur. Ok, je peux recruter. Tu as besoin de quelqu'un, je serai là. Le personnage des amis Uplay. Ok. Message d'Aidis au pillard. Nous ne sommes jamais en sécurité. Vigilance constante. Voilà. Faire la Sigur, lui dire 120 mètres. Ah, la marchande. Dis-moi, quel est ton métier ? J'achète et je vends toutes sortes de choses. Et je suis en lien avec de nombreux autres marchands. Ce qui me permet de te fournir à peu près tout ce que tu peux désirer, juste ici. Mais je ne pourrai pas faire grand-chose tant que je n'aurai pas de lieu de travail. Je commencerai dès que tu auras pu m'en construire un.
Je pars. Porte-toi bien. N'oublie pas de passer me voir. Ah bah il est là. Mais bon, c'est 400 aussi, hein, de toute façon. Ah, c'est écrit à gauche. 400, ok. Et la maison longue ici, ok. Les Saxons divisent leur royaume en territoires plus petits qu'ils appellent Shire. Celui-ci, c'est le Leicestershire. Et ça ne s'écrit pas comme on l'imagine. Et comme tu le pensais, les fils de Ragnar sont là-bas depuis quelques mois. Qui va réouvrir ce porte-pierre à Repton ? Excellent travail, tous les deux. Excellent. Allez vous reposer devant une corde. Eivor ! Oui, je suis là. Par ici. Que vas-tu installer dans cette salle ? Ma meilleure arme. Car cette pièce sera la tienne. Tu pourras y dormir, suspendre ta hache, ou te noyer dans tes pensées. Est-ce qu'elle te plaît ? Elle me va très bien. Mais je serai tout aussi bien avec les guerriers sur le quai. Je n'ai pas besoin d'un traitement de faveur. Je crois que tu te méprends. Je tiens à t'avoir ici, dans la maison longue, près de moi. Je suis peut-être le Jarl de ce clan, mais nous dirigeons ensemble, depuis toujours. Alors, habitue-toi à ta pièce, et quand tu seras prêt, rejoins-moi à l'écurie. S'accoutumer à ces quartiers. Ah, c'est tuto jusqu'au bout, quoi. Consulter la situation de Ravenstorm. Voilà notre nouveau bivouac. Sortir d'un tas de cendres noires laissées par les fils de Ragnar. Il peut paraître désordonné, mais nos efforts peuvent le transformer en fanal de commerce et de culture. Nous sommes dès à présent en mesure d'envisager l'installation des services suivants. Forge, c'est fait. Bureau de ceux qu'on ne voit pas. Écurie de volière. Comptoir d'échange. Caserne, c'est fait. Dès que la forge fonctionnera, je pense qu'il sera utile de bâtir le bureau de ceux qu'on ne voit pas. Raté. Item pourra en effet nous aider à nouer des alliances dans les villes d'Angleterre. Ah, c'est lui, ok. Et si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser. Bon. Et bah... j'ai fait la caserne. J'ai rarement eu un aussi bon lit et un endroit aussi agréable pour me reposer. Oh, mais ça résonne même. Une boîte pour les messages et les requêtes. C'est une boîte. Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Mais c'est à moi. Dormir pour... récupérer des PV. J'aime bien vivre dans la maison longue. J'ai l'impression d'être un Jarl. Calme-toi. Oh, il y a encore d'autres choses. Prêt à chevaucher d'un moment. Oui, c'est l'écurie. Compte sur moi, mon ami. Radieux est le chemin devant nous. Chemin qui nous mène à la gloire. Au revoir, Eivor. Mais pourquoi maintenant ? Je t'en prie, Dag. C'est nécessaire. Que se passe-t-il ? Basim nous quitte déjà ? Et Sigurd compte partir, lui aussi. Est-ce que c'est vrai ? Nous savons que les fils de Ragnar sont installés au nord. Il nous serait utile de leur rendre visite pour renforcer nos prétentions sur ces terres. Et c'est là qu'est allé Basim ? Les motivations de Basim lui sont propres. Laisse-le faire. Nous avons des tâches plus pressantes. Je vais aller dans le Leicestershire, jusqu'à une ville appelée Repton. Eivor, je compte sur toi pour m'y rejoindre quand tu en auras fini ici. Je peux venir tout de suite. Il me faut un cheval. Pas encore. Va d'abord voir Ranvi. Elle a plusieurs tâches à te confier ici. En plus de faire grandir cette colonie, tu vas devoir nouer des alliances. On ne peut espérer pacifier l'Angleterre avec si peu d'amis. Dans ce cas, je dois t'accompagner, Sigurd. Je suis un meilleur compagnon pour les longues routes. Non, Dag. Ta place est ici avec les guerriers. Et tu feras ce que t'ordonnerait Eivor. Sois prudent, mon frère. Je te rejoindrai dès que je le pourrai. Oui. Et moi, je veille sur nos pillages. Faire ce qu'ordonne Eivor. Il me met à l'épreuve. Peut-être bien. Sigurd est quelqu'un de sage. Je préfère encore devoir obéir à un pou. Quoi, t'es pas si aimé que ça ?